les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kena Bridge of Spirit. Donc c'est parti, on continue notre aventure. Let's go. Ah, waouh. Les images... Oh, bah ça y est. Waouh, je suis... Kena Bridge of Spirit. Ça fait un peu comme dans Breath of the Wild, le début. Ok. On n'avait pas fini le didacticiel dans la vidéo précédente. Alors, carte... Eh bah voilà, maintenant on a une carte. Parfait. Parfait, très bien. Donc la quête est par ici, voilà. Mais il y a des trucs à faire avant, à mon avis. Hein. On va aller voir ce que c'est ici. Ah, je peux pas mettre de... D'accord. Je pensais pouvoir mettre un petit... Mais non. Amélioration, ok. D'accord. Très bien. Dommage de ne pas pouvoir mettre de... Voilà. De petits repères sur la carte. Alors, je descends tout ça du coup. On va descendre. Ok, on arrive dans peut-être un petit village ici. Voilà, le village. Voilà, et ça c'est quoi? Ouille! Ah ok, d'accord, très bien, je peux pas y aller. Il y a des zones de corruption un petit peu partout. On va continuer d'avancer du coup. Hein. Je pensais qu'on pourrait peut-être rentrer dans, dans une maison. Une boutique ou un truc. Ah, là il y a quoi? Au sanctuaire des eaux dans la forêt oubliée. Très bien. D'accord. Ah, là-bas il y a un truc. Ah, je vais récupérer les trucs ici, hop. Et ça, on va essayer... Mince. Ah oui, c'est... Hop, c'est ça. Voilà. Et ça aussi. Là-bas, il y en a une aussi. D'accord, ok. Ça ouvre la dernière zone, du coup. Du coup, on a libéré le village. Chariot de chapeau découvert. Très bien. J'avais vu qu'il y avait des bonus en précommandant le jeu. Donc normalement, je dois en avoir aussi. Générer du karma en vainquant les ennemis corrompus, en restaurant l'environnement et en trouvant des fruits pour nourrir vos rottes. Utilisez du karma à partir du menu d'amélioration pour débloquer de nouvelles capacités. Et Kena peut aussi améliorer ses compétences de base et imprégner ses capacités de rottes pour créer de puissantes attaques. Très bien. Ok, bah j'étais tout à l'heure. Donc ça c'est pour les rottes. D'accord. Et est-ce que ça on peut... En sprintant pour effectuer une attaque circulaire rapide. Ok, de toute façon, c'est comme tout. Hein. Faut d'abord débloquer les premières. Hein. Je pense que ça, à mon avis, je peux pas le prendre. Voilà. Et là, c'est quoi? On prend une parade pour effectuer une attaque... D'accord, virevoltante. Ok, on va prendre celle-là. D'accord.
Et là, j'ai plus assez. Très bien. Donc, il faudra se rappeler en sprintant, R1. Ok. D'accord. Alors, le truc de chapeau, c'est ici, je crois. Celui-là, il est marrant. Voilà. Du coup, c'est par ici. Et du coup, ils ont les petits chapeaux. Ok. Et donc là, je peux pas passer. Ah, c'est par ici. Ah, là, je peux ou pas? Toujours pas. D'accord. Mais je vais où, du coup? Tout est bloqué. Je ne sais pas. Là, je peux pas non plus, hein. Voilà. Je ne sais pas du tout, là. Ah, oui, comme d'hab, ok. Il y a une petite plateforme ici. Ok, j'avais pas vu. Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. L'énergie du temple. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. C'est une belle légende, en tout cas. My father was a spirit guide. Ah, d'accord. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. D'accord. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Ok, donc on a eu un masque. Très bien. Alors appuyez sur la flèche de gauche pour porter des masques des esprits. Regardez à travers le masque pour trouver votre chemin. D'accord. Ouvrir les barrières des esprits et révéler les objets importants dans l'environnement. Les masques des esprits sont utiles pour trouver les rots cachés à travers le monde. Très bien. Parfait. On va faire ça du coup. Ok. Alors c'est ça. Voilà. D'accord. Ah oui. Ok. Ah pas mal.
Ah, là du coup il y avait un truc. Là-bas il y en a un. Mais là je peux pas y aller ici. C'est dangereux là. Voilà, on est d'accord. C'est dangereux. Mince alors, hop. C'est où que je l'ai vu le machin? Il était là? Là. Ou alors c'est là-bas, au niveau du village, peut-être. Oui, c'est ça. Faut retourner au niveau du village, ok. Comment je fais pour aller là-bas? Ça fait loin, là. Hein. Ah, il y a un truc ici. Pour l'instant, j'ai pas d'arc. Ok, pour l'instant, je peux pas y aller, du coup. Là non plus. Mince alors. Ah. Non, ça m'indique le truc de tout à l'heure. C'est tout. Je peux pas y aller en plus. Use Taro's mask to open the spirit barrier. Ah d'accord. Many and Saya know the way. Ok, faut que je le mette. D'accord. Et après? Mais je peux pas le mettre pour passer. Je passe comment jusque là-bas? Je ne sais pas. J'ai pas tout compris là. Oui, la barrière elle est là. Ok. Donc là du coup, je reviens au magasin. Là, il n'y a rien. Ah, c'est ici. D'accord, c'était ici. Attends, il y a tellement de barrières que... D'accord, ok. On a trouvé. Je regarde un peu partout, hein. Des fois qu'il y aurait des petites créatures cachées. Ah, là il y a un truc, non? Je sais pas. Ici, voilà. Je peux le mettre ici, non? Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ok. Je pensais pouvoir déplacer le truc et le mettre là, mais non. Bon, on continue du coup. Là, il y a aussi un autre portail qui me tue. Ah, on va suivre la petite lumière, hein, du coup. It went through here, but we can't get past. Ok. Bloque le passage. Ok. Alors là, c'est peut-être pour m'aider à monter quelque part.
Pas ici en tout cas. Où est-ce que je peux le déplacer? Ils pourront pas venir ici de toute façon. Ah non, plutôt là-bas, là-bas. Alors, ok, ça appartient à un villageois, rapporte-le à sa maison au village, d'accord. Très bien. Tiens, j'adore, c'est trop marrant, c'est trop mignon. Ok. Donc là, c'est ça qu'il faut que j'arrive à trouver le moyen de virer. J'avoue que là, je suis pas trop où je suis. J'arrive là. Ok. Alors, est-ce que je peux passer là-bas ou pas? Ah, voilà, on va déjà faire ça. Vérifier les fleurs spéciales pour restaurer la santé de Kena. Lancez vos rottes dessus en appuyant sur carré. Hors du combat, la santé de Kena se régénère automatiquement. Ok. J'ai pas assez, j'en ai pas assez. Mince, mince, mince. Ok, je suis morte. D'accord. J'ai pas tout compris là. Ok. Les fleurs spéciales, d'accord. Genre là-bas. Ah oui, là-bas. Quand j'en aurai assez, ok, je me mettrai là-bas. Ici, là. Ok. Il est passé où, lui? Ah, là-bas. Mince. J'arrive pas à lancer les... Voilà. Il faut que je récupère assez de... Voilà. Mais... Dégage toi là-bas. Niaise. Il y en a de plus en plus. Par contre, la caméra elle est pas terrible. Hein. Pour verrouiller les ennemis, j'ai pas encore compris. Ok, on va monter là-bas. Je peux pas, très bien. Comment je fais pour ouvrir la fleur là? Ah voilà. Look, Kena, I know what that is. It's a forest here.
Les larmes de la forêt restaurent temporairement les rotes à leur forme d'origine. Utilisez R pour déplacer le nuage. Dans cette forme, les rotes peuvent attaquer les ennemis, détruire les barrières et dégager la corruption. D'accord. Je sais pas, je dois faire quoi ça? Et après? D'accord, ah oui, je l'ai... D'accord, choisis où je les mets. Il va y avoir un truc à faire. Il y a pas une barrière tout à l'heure quelque part? Déjà, il y a ça, là. C'est ça, peut-être? Ok. Et là-bas, il y a peut-être la barrière. Peut-être que je peux faire ça aussi, là-bas. Ah, ça, faut que je... Ok, d'accord. Faut que je les mette là-bas. Dommage, j'arrive pas à les faire venir, là. Voilà. Ok, c'est bon. Je vois que par moments, ça manque un peu d'explication, quand même. Ok. Over here, Kena. There's something on the ground. I bet a forest here can grow here. Ah voilà, donc là, il faut que je fasse quelque chose. Et tout à l'heure aussi. Il y en avait une tout à l'heure. Ok. Alright. D'accord. Right there. Ok, la mettre ici. Yes. Ici, et si je fais ça? Ok, ça... Ah, ça marche aussi, d'accord. Faut que je le refasse, ok. Et si je fais ça dessus, là? Ah, par contre, j'ai pas fait ça. Voilà. Là-bas. Là, il y en a un petit peu, j'arrive pas à l'avoir. Non, j'arrive pas. Y a pas... Ça n'a pas marché. Ah voilà. Là il en reste aussi. Ok, donc normalement c'est bon. Là par ce petit truc j'ai tout fait. Voilà. Ok, donc là c'est bon, hein. Il n'y a plus rien. Par contre j'en ai pas beaucoup trouvé là, des créatures là. Les rots. Ah peut-être là-bas, derrière le truc, non? Non, ok. Il n'y a rien. On va devoir monter. Et après... et après. Alors là, il y a ce passage-là. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a rien. Ok, donc là, hop, on va se laisser tomber.
Ok, c'est bon. On est tout en haut. On va mettre le masque. Peut-être qu'il y a un truc à faire aussi. J'ai pas fait gaffe des fois qu'il y aurait des esprits de cachés. Ok, là-bas, il y a de la corruption. Ah, il y a les deux... Est-ce qu'on les voit sans le... Ouais, ok, ils sont là. D'accord, je vais faire ça quand même. Bon, il y avait rien. Ok. On y va. C'est parti. Ah, point de téléportation. Ok. Ah, là, il y a une... Ok. D'accord, et du coup, pendant le combat, je peux aussi m'en servir, genre. Bon, c'est pas évident, quand même. Ok. Où sont les ennemis, là? Je les vois pas. Là. Ok, bon, c'est pas terrible, ça. Hein. Voilà. Voilà, une zone déjà. Ok. Là-bas. Pourquoi elle vise là-bas alors que moi c'est là que je vais aller. Dommage qu'il n'y ait pas, on peut pas verrouiller les cibles. Hein. Oulala. Voilà. Pas mal. J'ai réussi à les tuer avec avec les petites créatures. Voilà. Ok. Donc ça, hop. Ça peut donner de la vie aussi. Ok. Donc ça c'est fait. Et ça je peux le faire aussi, non? Voilà. J'adore, à chaque fois que ça fait ça, c'est trop beau. Ah, et là, il y a une fleur comme ça. Ok. Et où je dois aller mettre celle-là? J'ai pas bien vu. Je vois pas de corruption. Ah, là-bas, là-bas. Ok. Ah, là, il y en a un. Ok, j'en ai 9. Très bien. On va aller par là, du coup. Hein. Je vais regarder la carte, quand même. Ok, on se dirige vers le point de quête. Parfait. Ouh là là, ça s'assombrit, de la pluie. Je suis pas très rassurée là. Ouh là là. Ok. On va aller par là, on va le suivre. Par contre, j'ai oublié de faire ça pour voir s'il y a des trucs que je loupe ou pas. Parce que là. Ah, là, il y a un truc aussi. Mais à mon avis, ce sera quand j'aurai l'arc. Hein. Là, j'ai pas grand chose. C'était par où du coup? Que je me trompe pas. Je crois que je me suis trompée. Ouais, ok, c'est par ici. C'était par là. Par ici, je crois. Ah, n'empêche que c'est super beau, hein, franchement. Ouh là là, une grande zone de corruption là-bas.
Ok. Wow. Oh, les effets quand même. What happened? What did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find three reliques. Okay. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Monsieur Russo. Okay. Trouver Monsieur Russo. Très bien. Et eh bien on le fera dans une prochaine vidéo. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour celle-ci. Tout simplement parce que ça fait déjà un petit moment et puis que je veux en garder pour la suite. Voilà, je veux pas trop finir le jeu trop vite, j'adore ce jeu. Donc c'est la fin de cette vidéo du coup sur Kena Bridge of Spirit. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!